La mission de VNF aujourd'hui, c'est bon, la vidange du bief. Après, derrière, nous participons à l'aide de la Fédération de pêche de la Haute-Garonne pour la sauvegarde du poisson. Et une fois ça terminé, nous allons remonter tout le bief avec le camion et les engins. On va attraper tout ce qui est vélo, clôture mairie de Toulouse, vélo de, que ce soit vélo Toulouse ou vélo Indigo Wheel ou alors des vélos de particuliers. Nous allons sortir tout ce qui est ferraille dedans ce bief. Oui, alors ici nous procédons simplement à un sauvetage des poissons puisque l'abaissement de ce bief du canal met les poissons en danger dans les parties où reste pratiquement plus d'eau. Donc la mission consiste ici à récupérer les poissons pour effectuer ce sauvetage et les mettre dans ce bief à nouveau. Alors bien sûr, il y a eu du travail en amont qui a consisté à surveiller et à vérifier l'état d'abaissement puisque l'idée c'est d'intervenir au moment précis où les poissons risquent d'être en danger et pas avant. Alors, une bonne partie des poissons passent les écluses à mesure de l'abaissement, mais certains restent coincés dans des points bas, dans des poches d'eau, et c'est cela évidemment qu'il faut aller chercher pour éviter qu'ils ne meurent dans les flaques résiduelles. Alors vous savez, le canal contient une très grande diversité piscicole. Il y a à peu près toutes les espèces qu'on va retrouver dans la Garonne, par exemple. Et donc il est assez riche. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le canal est un des milieux très riches avec une grande diversité de poissons. On a notamment, bien sûr, des poissons d'eau très calmes et relativement troubles, comme les carpes, les silures, les brèmes, etc. Mais il y a aussi des brochets, des sandres, des gardons, des ablettes, des rotangles. Donc c'est une diversité assez complète, caractéristique des cours d'eau ou des plans d'eau de plaine.